Bonjour à tous et à toutes les robins des bois du monde entier. Vous voyez, je suis dans un décor paradisiaque et j'espère vous en faire profiter un peu dans ces moments complètement difficiles. Alors, évidemment, il n'y a pas que de bonnes nouvelles parce que, bon, il y a suspicion que des avions bourrés d'enfants ont été amenés lors des réunions de Davos. Ce sont des suspicions qui sont souvent proches de la réalité, ceci dit. Et puis, je vais vous mettre aussi un article intéressant, vous allez voir, qui est fait par, qui a été, disons, créé par la Quinta Columna, où il y a plusieurs intervenants. Et vous verrez qu'il parle du Grafen dans ce qu'on connaît, dans les injections, mais il parle aussi de ce Grafen couplé à la 5G. Et tout ça, ça donne ce que donnent des implants. Alors moi, j'ai vu des implants, je sais ce que ce sont les implants. Et il y a des chirurgiens qui, aux États-Unis, étaient spécialisés dans le fait d'enlever les implants, justement des petits implants métalliques. C'est la même composition. Donc vous allez voir que je vais vous mettre cet article, ce lien. Et j'espère que vous pourrez tous en profiter. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir le mettre sur tous les réseaux, ni sur tous les supports, donc j'espère que vous allez le trouver au bon endroit, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, il y a quand même d'excellentes nouvelles, heureusement, parce qu'il y a toujours des citoyens, des gens, des humains, tout simplement, qui font de belles choses. Il y a par exemple, en Corée du Sud, il y a eu l'abolition, une loi, qui va abolir le fait de manger les chiens. Et ça, c'est grâce à une association qui s'est démenée et qui a fini par obtenir ça. Alors, ça va prendre un peu de temps pour recycler les gens qui abattaient les chiens, qui les faisaient bouillir, etc., etc. Ceci dit, la loi est passée. Et je trouve que c'est beau. Ensuite, vous avez une autre personne. Vous avez un village qui se chauffe avec une plante. Alors, vous allez voir parce que ça vaut le coup de regarder ça. C'est vraiment intéressant. Et puis, il y a des initiatives. Quand je vous dis que les humains sont habiles, sont intelligents et ont d'idées, vous allez voir comment ça se passe. Il y a un autre article qui m'a touchée et que je vous donne aussi en lien. C'est un homme qui a décidé, c'est un musicien, et il joue de la musique, du piano, pour des éléphants aveugles. Et on voit les éléphants qui écoutent. Il a dû penser que, comme pour les humains, quand on est aveugle, ben, en fait, l'ouïe est plus développée, peut-être. Je ne sais pas s'il a pensé ça, mais en tout cas, grâce à cet homme-là, il y a des éléphants qui viennent et qui écoutent toute cette musique qu'il leur joue et qu'il joue pour eux, spécialement pour eux. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y a eu un reportage sur un homme qui est mort en Afrique, je pense, et qui était un grand défenseur des éléphants. Et le jour où il est mort, il y a eu une centaine d'éléphants qui sont arrivés de partout et qui sont venus le saluer, qui sont venus saluer son corps ou son âme, enfin bon, qui sont en tout cas venus le saluer. Donc, c'est un peu comme si on était en train de passer à autre chose. Donc, moi, je suis quand même très optimiste parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se réveiller et de commencer à mettre leur potentiel au service de l'humanité, de l'humain, de l'amour. Donc, c'est très beau. Et c'est vrai qu'on est abreuvé de nouvelles, de mauvaises nouvelles. L'eau est polluée, il y a des escroqueries, avec Nestlé, par exemple, évidemment. Vous vous souvenez du film peut-être que nous avions fait sur le courage au service du vivant, où il y avait une des principales personnes de Nestlé qui justement disait comment on l'empêchait de travailler et qui s'occupait justement de la sécurité alimentaire. Donc là, on s'aperçoit que, ben, ma foi, il y a des eaux qui ne sont absolument pas potables et qui sont mises en bouteille. Alors, malgré tout ça, je trouve que quand même, donc je vous disais, il y a de belles choses. Et il y a un élément dont je voulais vous parler aussi, c'est à travers le livre de Kovlaert, on a retrouvé un épisode dont j'avais déjà entendu parler il y a longtemps. C'était pendant la guerre du Liban. Et il y avait une expérience qui avait été faite avec les casques roses.
Et ces casqueuses, c'était quoi? C'était des personnes qui, en fait, passaient dans les endroits les plus difficiles, les plus compliqués, là où il y avait le plus de conflits, de guerres, quoi, en fait. Et en passant, c'était des gens qui avaient l'habitude de visualiser. Ils visualisaient comme si la paix était déjà là. Et ils se sont aperçus que la paix, effectivement, était beaucoup plus impressionnante dans ces endroits-là, qu'il y a des conflits qui s'arrêtaient, que, enfin, en tout cas, c'était bien moindre qu'ailleurs. Donc, vous voyez, cette expérience est très intéressante, parce que ça veut dire que si chacun de nous, on est de petites lumières, et que là où on passe, on met la paix, on met le sourire, on met l'amour, on met un peu de joie, mais ça va gagner tout le monde. Alors, il y a une autre chose qui me paraît aussi importante, aussi, c'est qu'il y a quelques nuits, j'ai fait un voyage sur d'autres plans, et que ce voyage m'a amené vers un collège, disons, mais de tout, enfin des êtres qui avaient enseigné sur Terre, c'est-à-dire de tous les grands enseignants de la Terre. Ils étaient là, je n'étais pas seule évidemment, parmi les personnes qui étaient invitées, on était 108, et il y en a d'autres aussi qui vont être invités, mais vous verrez ça un peu, je vous montrerai ça, je vous écrirai ça un peu plus tard. En tout cas, ce qui a été dit, c'est que, et qui était important, il y avait le grand Maa de la planète Terre aussi qui était là, et qui était là parce que il sait que c'était, parce que pour lui c'est un moment crucial et qu'on doit tous, vraiment tous se réveiller. Et tous agir. Donc, ça m'a été demandé donc, dans un ouvrage, un petit fascicule en tout cas, que je suis en train d'écrire, et qui sera à votre disposition aussi. Mais ce qui a été dit, c'est que l'ombre et la lumière, l'ombre a autant le droit de vivre que la lumière, elle a autant le droit d'exister. Et qu'elle n'est absolument pas maléfique, qu'elle est bénéfique, mais c'est parce qu'elle a pris beaucoup trop de place par rapport à la lumière, et parce qu'elle a été utilisée d'une façon qui était nocive, qu'elle devient maléfique. En fait, au départ, on a besoin des deux, et on ne peut pas faire l'un sans l'autre, on ne peut pas faire l'ombre sans la lumière, comme on ne peut pas faire le soleil sans la nuit, le jour sans la nuit. Ce sont des éléments d'une même force, et elle est amour. C'est-à-dire cette ombre, elle nous permet à la fois des introspections, elle nous permet à la fois d'être avec nous-mêmes, de nous réveiller, de nous demander mais qu'est-ce qu'on va faire, ou qu'est-ce qu'on doit faire, ou qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc ça n'est pas quelque chose qu'on peut combattre. Et ce qui a été dit aussi, bon alors là je le dis avec mes mots évidemment tout ça, mais ce qui a été dit, c'est qu'il fallait absolument donc augmenter la lumière. On ne peut pas lutter ou combattre l'ombre. On ne peut pas combattre ce qui est un moins. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je crois que vous le sentez, que vous le savez. On ne peut pas lutter contre, par exemple, une batterie faible, mais on peut mettre une nouvelle batterie. Et c'est ça, en fait, qu'on doit faire. C'est vraiment maintenant, c'est bougeons-nous, faisons tout ce que nous pouvons. Et il n'y a pas besoin de grands moyens, on n'est pas obligé d'être assis comme des yogis, on n'est pas obligé d'avoir une pièce spéciale, on n'est pas obligé d'avoir des bougies autour de nous, etc. C'est la même chose pour communiquer avec les êtres de la nature, mais ça je vous en parlerai plus tard, ou pour communiquer avec le peuple animal. Il suffit déjà en nous de le vouloir. Après, le trajet sera plus ou moins facile, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, c'est ce que j'avais vraiment envie de vous dire. Ne combattez pas, augmentez la lumière, augmentez le potentiel lumineux de façon à ce qu'il n'y ait plus ce déséquilibre. C'est comme quand dans notre corps, il y a un déséquilibre, à ce moment-là, il y a une maladie. Et là, il y a un déséquilibre entre l'ombre et la lumière. Et c'est à nous de rétablir l'équilibre en nous, pour que ça puisse se rétablir à l'extérieur aussi. Voilà, c'est ce que j'avais vraiment envie de vous dire. Alors, vous allez voir les bonnes nouvelles, vous allez voir les quelques-unes qui sont moins bonnes.
Mais surtout, ne vous en faites pas, parce que pour moi, c'est déjà, on est déjà vraiment sur une voie de sortie, enfin de quelque chose de nouveau, et cette terre va être magnifique. Voilà. Merci en tout cas à vous d'être là, d'exister. Et puis j'espère qu'il y en a que je vais retrouver lors du congrès du mois de mars à Limoges, et que j'aurai le plaisir de voir des Robins des Bois parmi le public. À bientôt.